C'est le plus gros chantier d'un hôtel de police en France et d'un lieu dédié à la sécurité. C'est un chantier évalué à 220 millions d'euros. Nous avons débuté celui-ci début janvier, il s'achèvera au deuxième semestre 2025. Nous tenons à 24 heures près le calendrier. Les gros travaux sont engagés depuis ce matin, puisque depuis trois mois, nous étions sur les parties intérieures qu'il fallait désamianter et déséquiper par rapport au précédent hôpital. Et en même temps, je tiens à remercier naturellement l'État et le gouvernement qui, en nous apportant une aide de 170 millions d'euros, permettent à la ville de Nice d'être la première illustration dans notre pays d'un continuum de sécurité où police nationale, police municipale vont pouvoir, en coordination, travailler ensemble dans ce lieu avec un centre d'hypervision urbain où tous les capteurs en matière d'intelligence artificielle, que ce soit sur la sécurité civile ou la sécurité publique, seront raccordés.